petite famille. Tous les abonnés que tu as eu là, ce sont ta famille. Pourquoi toi, tu ne peux pas comprendre aussi qu'il y a certains lolomaniens qui ont décidé d'être avec toi et que tes problèmes sont pour eux aussi. Quand je vais parler, on dit que non, toi, tu ne peux pas tenir un français. Maman, je suis venue montrer comment tenir le français. Une vieille femme comme ça, là, une vieille bangante frélatée comme ça, là, qui me dit que non, je ne peux pas. Je te dis que moi, je suis venue sur Facebook pour venir tenir le français. Vous qui tenez le français, là, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Une vieille maman comme ça, là, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Vous qui connaissez bien parler le français, là. Moi, je parle. Ah, trop bon choix. Je suis venue ouvrir ma page pour défendre Tata. Personne n'était là. Et je le fais tous les jours, jour pour jour, ça fait plusieurs années. Sans trahison. Et je suis là, non, plus personne ne me charge. Je vous écoute. Conan, le général machin, le général, vous ne me dites pas ce que je vais dire. Personne ne me dit, même rien. Conan, j'aime quand tu parles des Nganga. Maman, c'est pas toi qui vas me dire comment je vais parler des Nganga, hein. Tu as compris avec quoi? Je parle ce que je vais parler. Quand ça vous touche, vous commencez à parler n'importe quoi, que non, le général, personne ne la commande, personne ne la contrôle dans la team. Elle est seule. Je vous ai d'abord dit que je suis avec vous. Je dis que je suis une place avec Tata Lolo. Ah, maman. Une place avec Tata Lolo. Je ne suis pas venu pour faire le Cameroun avec les gens. Mais je suis avec vous. Une place. Donc, allez parler vos de bons français là-bas avec elle. Je la soutiens avec mon bras, Kata. Oh, je suis plus mieux à la soutenir que vous. Donc, je m'en fous. Personne ne me compare à personne. Je fais ce que je fais. Je dis que zéro paix, c'est mieux. Mais la paix entre Kinkan et Tata Lolo va régner. Vous en profitez pour faire votre vue, pour faire la elle harcèlement. Si elle veut faire son harcèlement avec Ngoy, qu'elle parle, c'est elle pas demander aussi pardon. Elle peut aussi aller demander pardon, non. Mais ça, c'est elle la plus vieille sur Facebook. La maman du Canada, là, ce n'est pas. Je ne prononce plus le nom des gens. Je ne suis pas Bamiliki, Banganté. La maman du Canada, là, ce n'est pas une grande sœur. Pourquoi elle refuse son âge? Ce n'est pas elle qui doit mettre l'ordre sur Facebook. Quand sa petite 5 ans vient demander l'ordre, elle sort la sorcellerie. Elle commence à insulter ma star. Vous pensez que vous allez l'insulter que moi je vais vous laisser. Je ne vous laisse pas. Je ne vous connais pas. Votre français anglais là, c'est zéro. Vous n'êtes rien devant moi. Vous êtes en paix depuis 40 ans. Zéro réalisation. Vous dormez dans les maisons. Pia. Je vais vous faire ça. Je dis que je vais vous niquer votre race sans vaseline. Zéro réalisation. Vous dormez dans les cabanes. Vous n'avez même pas honte. Maman, je vais vous laver jusqu'à. Je vais mettre la musique. Je vais danser. Bororo, bororo sangui. C'est la musique. Vous allez aller lever la musique là qui est sur YouTube là. N'importe quoi. Ne m'écrivez pas. Ne m'écrivez pas inbox. Je ne veux pas que quelqu'un m'écrit pour me parler. Ne m'écrivez pas inbox. Moi je ne veux pas que quelqu'un m'écrit pour me parler. Je ne suis pas venu pour vous sur Facebook. Je suis venu pour soutenir quelqu'un qui est ma star. Point. En dehors de Tata Lolo, je n'ai personne. Donc quand je dansais et tout ça, là, non, 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 non. Vous connaissez là où moi je viens? Je suis une faux prophète, j'apparu juste comme ça, je soutiens quelqu'un comme ça. Mais lui me dit que non, tu ne dois pas dire ça. Que non, voilà l'autre qui dit pour elle, chacun dit pour elle. L'autre vient me dire que non, là tu ne veux pas tenir le français. Une vieille maman comme ça, une vieille ancienne Wolowos, elle m'insulte. Que je ne peux pas tenir le français. Je vous ai dit que si vous venez sur tenir le français, vous tous qui tenez le français, vous avez quoi? C'est qui au Canada qui est en train de crier là? C'est pas elle qui est partie doter un homme en Afrique pour venir épouser. Hein? Je dis, oh, je n'ai jamais aimé la femme là. Oh, vous allez que die. Je ne l'aime pas. Oui. Moi, j'étais amie avec ma Anna à Tonganès pendant plusieurs années. Oui, à cause de Tata Lolo, j'ai jeté cette amie là. J'ai embrassé cette femme. Vous voulez maintenant m'intimider comment je vais parler sur Facebook? Vous voulez maintenant me parler comment je vais parler? Parce que tout ce que vous faites, j'accepte. Je dis oui, 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 oui. Hein? S'il y a une musique sur Facebook, je joue ma musique, je danse. On chante la musique là-bas que bororo, 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 sangui. Vous venez me tourner que non, je suis méchant, je suis impoli, je suis avant impoli. Je suis avant impoli. Vous êtes des mamans impolies aussi. C'est vous qui m'avez appris comment insulter les gens sur Facebook. Je suis Tata Lolo, une place. J'ai dit que même si Tata Lolo sort, son camarade dit que plus, je veux pas que tu me soutiennes, je veux qu'elle la soutienne. Ouah! Vous avez compris quoi? Je veux qu'elle reste là-bas, là où on m'a déposé. J'ai dit la maman là, je m'en fous si elle est bangandée. Tout le monde n'a pas venu tout le temps courir les têtes des gens. Après, venir insulter, on insulte les lolomaniens. Non, vous n'êtes rien, je ne veux pas vous voir votre sale argent. Partez votre étoile et tout. Qui sont aussi intellectuels. Maman, je suis sur vous tous les jours. Comme les lolomaniens veulent me tuer là. Comme les lolomaniens bangantés veulent me tuer. Je vais finir avec une amie avant que je vais mourir. C'est ce que je vais décider maintenant. Jusqu'à quand vous allez me laisser la parole, vous allez décider de dire qu'on laisse le général lolomanien donner aussi souvent la parole.
C'est ça. Même avant que quelqu'un me connaisse sur Facebook, j'étais déjà fatigué d'harcèlement. On m'insultait. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas sortir. Mais tu ne connais pas parler le français. Oh, machin, tu es nanja. Oh, tu es comme ça. On me dit là où je sors, je vais parler. Même si c'est le fang, je vais parler. Même si c'est le mena, je vais parler. Même si c'est le banganté, je vais parler. Oh, personne ne m'arrête. Vous n'avez rien à me dire. Vous ne m'intimidez pas. Je vais toujours dire. Je vous ai écouté, hein, toute votre sortie que vous avez sortie, même tout ce que vous parlez, inbox, je suis au courant de ça, mais je fais comme si je ne suis pas au courant. Je fais, je joue toujours naïve. Kono, le général Lolomanga, elle est seule. Ko, le général Lolomanga, elle ne peut pas tenir la parole. Ko, tu ne dois pas parler, il faut souvent me demander, oui, ma star, elle a raison, il faut que je la demande. Mais quand mon cœur fait mal, je ne la demande pas avant de me soigner. Quand je me suis blessée, quand je me blesse avec les nerfs, la tension, la colère de ça, je n'appelle personne. Donc, moi, je suis déjà dedans. Vous allez que m'accepter que ça. Si vous ne m'acceptez pas, hein, maman, la guerre, elle va que sortir. Je lui ai dit, la paix va régner entre Tata Lolo et Nkengamoa. C'est ça qui est ça. Vous allez pleurer. La fabrication des étoiles est terminée. Mais si vous faites l'Iboga, je vais faire l'Iboga. Tous les jours, une place. Tu vas chercher ton problème avec ton ancien patron. Tu arrives avec. Comme Tata Lolo est sur le résultat des classes sur Facebook, tu viens de la cacher derrière elle. Tu te caches, tu insultes une femme, tu insultes la dame là. Depuis plusieurs années, tu as insulté quelqu'un ici là. Elle est, à un moment, elle-même, elle a honte même de te répondre. Elle dit toujours que toi, tu es sa grande sœur. Pourquoi tu refuses la paix? Pourquoi tu refuses la paix? Cause Europe, on va, vous allez confirmer cette fois-ci. Je m'assois sur vous tous. N'importe quoi. Je suis fatiguée de votre histoire que vous faites là. Moi, je suis partie à Bangandé. À Bamilike, chez les Bamilike, j'ai soulevé l'arbre de paix, je suis rentré avec. Je dis que cette année, vous allez que faire la paix, roi. J'en ai mal de la honte que vous faites chez les Camerounaises. Vous avez fait, quand je vois une Camerounaise en vous, je fuis. Dès qu'elle dit qu'elle est Camerounaise, je fuis. Pourtant, c'est le genre que j'aimais vraiment côtoyer, c'est m'amuser avec. Votre mauvais caractère sur Facebook. Quand je vois les Camerounaises, maintenant, je fuis, je porte disparu. Dès qu'elle dit que, j'ai dit, ma côté, tu es quoi? C'est dès que tu dis que tu es Camerounaise, amour, regarde la distance. Regarde comment je me fuis. Pourtant, je suis une femme gentille, j'ai un machin rouge, je me côtoie avec les gens, je me retrouve, oh, toi tu es quoi et tout, je m'amuse avec eux. Mais à cause de la sorcellerie des Camerounais sur Facebook, je ne peux pas voir une Camerounais, je m'approche encore de lui. J'ai dit et je répète, Tata Lolo Nkenkam va faire la paix. Et vous les détracteurs, les demandeurs des étoiles là, vous allez pleurer. Sors sur moi, je vais te laver sur Facebook, tu vas comprendre que. Prononce mon nom sur ton mur, tu vas lire. Tu vas me mettre là juste. Je te dois beaucoup de respect, mon bébé. Tu sais, tu es le Lomaya, tu es comme moi aussi neutre. Tu es le genre de Lomaya, c'est toi, tu es vraiment aussi avec les organes comme moi. Nous sommes ici là, suffisant. Vous voyez comment vous tous, vous venez, quand vous avez mal, vous partez. Moi, je suis comme un homme, je suis comme un King Kong. Je ne pars pas, je suis là, sous les, je reste jour pour jour, nuit pour nuit. J'assume tout. 2023 ne m'a pas pris. Ça ne m'a pas amené à cause de Facebook, ça ne m'amènera jamais. Je n'ai plus peur de quelque chose. Tu comprends? Je n'ai plus peur de quelque chose. Tu es le meilleur Lomaya que j'ai. Je félicite Eva Adam. Toi, tu es toujours là. En dehors de rester là. Je n'ai plus besoin de personne parce que tout mon travail, tous mes critiques inbox, tous mes insultes, que je suis une illité. On vous a dit que votre Saint Gringa Mangia est illité comme ça là. Vous ne voyez pas. C'est moi que vous venez m'insulter que je suis illité. Je suis illité, je vous dépasse. J'ai des certificats pleins chez moi. J'ai le mari, j'ai tout. J'ai la maison construite par mon agent. Moi-même, mon travail. Vous n'avez rien. Depuis 40 ans en Bengue, au Canada, c'est maintenant l'agent des abeilles que tu voulais mourir. Tu veux te pendre comme ça là à cause de l'agent des abeilles. Parce que les abeilles ont bloqué le robinet. Elle ne veut plus te donner l'argent. Que c'est les remèdes. C'est la même chose que moi-même, je fais. Je suis en train de bloquer. Je dis que non. C'est seulement Tata Lolo qui va manger notre argent. Pour des détracteurs, pour des associés. C'est pour ça que vous voulez me tuer. Les Bamiliké, les Banganté, Frélaté. Vous allez lire. Je dis que je suis sous vous. Je suis sous vous. Merci, mon bébé. On reste dans la paix. Oh, des sorciers. Elle ne veut pas la paix parce qu'elle veut s'en profiter. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, que le drame de ma sœur, de ma star, reste en paix, pour que personne ne les dérange, qu'elles ne meurent pas vite. Les sorciers sont là, ils cherchent l'argent sur Facebook. Elles ont fini de travailler chez les patrons. Elles. Les abeilles ont dit que nous, on ne veut plus. On ne veut plus envoyer l'argent. Nous sommes fatigués, notre argent, c'est notre remède qui va manger. Elles sont venues s'accrocher dans la team de l'Olomaya. Maman, l'argent de ça, on envoie, on nous insulte. On envoie un autre petit rat. Il est arrivé à Benguin ici. Dieu merci, moi, je n'étais même pas là.
Arrivé à Menga, elle a commencé à nous insulter. Tout c'est autour de l'argent. Les Camerounais, tout c'est autour de l'argent. Je suis fatiguée. J'ai dit que la dame là, tu vas rester. Tu vas te partir demander pardon à ta petite soeur. Tu as travaillé là-bas pendant plusieurs années. Tu cries sur elle. Oh, maman, tu cries. On t'a mis là-bas, on t'a mis. Mais, c'est pas toi qui plains. C'est pas toi qui fais le mais, je t'aime. Maintenant, comme elle veut faire aussi la paix avec Tata Lolo, tu ne veux pas. Parce que tu veux que les 11 la toile soit en deux. Vous en profitez de Tata Lolo. Tu as quitté les 40 000 abonnés. Tu es maintenant à 70 000 abonnés. Seulement à cause de Lolo Maya, frère, la tête qui marche partout, que c'est les airs des machins. Maman, c'est faux. Je vais gâter tout. Je vais tout gâter. Je vais tout gâter. Si c'est ce que vous avez décidé de la toile là. Voilà, merci. Merci, Genka, merci. Vraiment, elle a fait le direct. Elle nous insulte à chaque fois. Voilà, Tata Lolo est partie chez Machin. Nous, on fait de notre mieux. On fait de notre mieux pour qu'elle soit à l'aise. Mais elle est partie chez Machin là-bas, nous insulter là-bas, qu'on n'a rien donné. Quand tu finis de demander pardon là-bas, tu vas revenir devant nous et rester avec Tata Lolo. Parce que je n'accepte pas. Tu as fait le direct, tu as fait de gagner l'argent derrière le direct. Le vu de ça, depuis que ta monétisation a été signalée, tu es parti en Sosongo. On te voit qu'avec ton mari dans les fêtes. Mais dès que c'est revenu là, tu viens, tu prends le truc de Tata Lolo, tu le déposes, tu nous insultes. Maman, je ne sais pas ce que c'est. Les amis de Tata Lolo nous insultent. Tata Lolo peut m'insulter aujourd'hui, demain après, mais bloqué partout. Je suis bloqué sur Facebook partout. Tout le monde a peur de moi. Je suis la seule marabout sur Facebook. Je suis la seule qui pratique sur Facebook. Chacun a son esprit. On me bloque partout, on ne me débloque pas. Je ne sais pas ce que je veux faire. Même les Lolomaniens vont aussi tourner contre moi parce que je vais aller. Je ne veux pas la maman là. Que la maman là part. Qu'elle reste une place là où elle est là. Là-bas, là où elle est là, c'est bon pour elle. Elle crie tout le temps, je suis une place. Je ne suis pas dans la team. Tu n'es pas dans la team, mais tu viens grignoter notre chose. Hein? À chaque fois que tu es en bas, tu es à terre, tu reviens. Tu reviens toujours. Après, tu vas tu ne peux pas insulter Tata Lolo. Parce que Tata Lolo, sa vie t'était pas. Tata Lolo a 15 ans à Mengue. Toi, tu es à Mengue depuis 40 ans jusqu'à faire l'université, jusqu'à partir épouser. Non. Ça veut dire que tous les hommes qui étaient à l'école avec toi là, tu n'as pas vu un intellectuel pour l'épouser. Tu es parti en Afrique ramasser un bororo pour amener, pour nous fatiguer sur Facebook. Tu nous fatigues, tu aimes trop l'argent. On ne te voit même pas ce que tu fais avec l'argent. Habite-toi bien au nous. Fais quelque chose, nous. On attend seulement la tête qui est en l'air comme ça, avec les pieds en bas. Tu, maman, j'ai dit que je suis sur toi. Tu vas nous laisser en paix. Tu vas nous laisser. Tu vas laisser la team de l'Euromania. Moi, je ne ris pas. Il suffit fatigué. C'est son tête qui va chercher les hommes. Nous, on reste au pays, on vient nous épouser. Ouah. Tu as compris avec quoi? N'importe quoi. Quand, parce que moi j'ai dit que non, personne ne peut intimider ma star. Elle a fait le direct. Vous avez compris? Elle a fait le direct. Et le direct qu'elle a fait, elle nous a bien lavé. Lavé Tata, lavé tout le monde. Elle ne veut pas nous voir. C'est comme ça qu'elle avait fait la fois dernière. Bonjour. Hein. C'est comme ça qu'elle avait fait la fois dernière. Elle nous a insulté qu'elle sortait avec votre agent. Machin, ne veut plus. Je ne veux plus vous voir avec. Avec vos sales étoiles ici, machin. Elle est dénigrée toujours les gens. La femme la pense que donc elle est intellectuelle pour finir l'école. Et revenir être chauffeur de blablabla car. Parce que la femme là, elle est chauffeur des gens. Elle part ramasser les immigrants. Elle, ça c'est son travail. Elle utilise l'État canadien. Parce que après faire l'école, même pas être docteur. Maman, même pas être chef d'entreprise, on devient chauffeur de taxi. Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas avec les intellectuels de Facebook là. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Il y a zéro intellectuel. Nous sommes tous pareils. Tant que tu touches plus de 3 000 euros par mois, tu es intellectuel, chauffeur de taxi, tu touches 3 000, maman, moi je te dépasse. Toute l'université que tu es partie t'assise là. Rentre pour venir me fatiguer sur Facebook. Hein? Là-dedans, le sorti, elle a cherché sa stamania. On l'a insulté, on l'a caricaturé, on l'a insulté. Tout le monde, tout le nyanga nyanga, on sortit l'intimité. Tata ne peut plus. On va voir les fronts pour qui envoie les étoiles sur Facebook. Parce que j'en connais seulement 3. Comme vous voulez tout. Vous voulez tout savoir sur Facebook. Toujours en train de faire le match. Tout le monde va venir parler pour elle à bis-bis. Il me parle. Je suis aussi une chef de ma station. Là où je travaille, on me respecte. Moi, je travaille. Je viens comme ça de rentrer au travail. Je ne peux pas encore manger, je suis en train de faire le tirant bordu de la route. Je ne peux pas entraver la salle dessus moi, crier. Je suis fatigué de crier chez moi. Chez moi, je peux faire des lives comme ça à minuit et tout ça là. Oh non, tu ne peux pas parler. Maman, il y a une maman qui est venue dire, elle est venue me répondre que non, tu ne peux pas tenir une parole. Toi, c'est qui pour venir parler? Maman, je ne vois même pas une vieille ancienne holobose. À ton âge, à 50 ans, tu fais quoi en Kambengue? Moi, c'est là. Si à 48, 50 ans, moi, je retourne chez moi. Je ne reste pas sur Facebook pour cogner les têtes.
Qu'est-ce que tu cherches à l'Est depuis 40 ans que tu es en Bengue? Nous, on vient à peine arriver, moi et Tata Lolo, même pas 15 ans que nous sommes arrivés en Bengue. Oui, vous êtes là depuis des années, vous n'avez rien conçu. Vous êtes toujours en train de crier chez les gens, parler chez les gens, insulter, les dénigrer les gens qui viennent parler. Parce que je suis la seule qui est assise comme ça dans la team de Lolo. Il dit que zéro trahison. Vous voulez me pousser à bout pour que je trahisse. J'ai dit zéro trahison pour moi. Parce que je suis une personne, je fétiche beaucoup, je fais le pacte. Avant de faire quelque chose, je fais le pacte. Si je suis venu dire que j'accepte la paix de Nkengam et Tata Lolo, parce que je suis parti chez les Bamiliki, j'ai sorti la terre, je suis rentré avec l'arbre de paix. J'ai dit que c'est Ope de Tata Lolo. Tu vous envoies une photo que Tata Lolo assise pour elle, on dit que non, c'est elle avec un client. C'est pas pourquoi je fous, je ne fous pas. Pourquoi je quitte la team, je ne quitte pas. Vous savez que c'est moi qui tiens. Je suis là debout dans la team de Lolo. Il y a zéro distraction. Je suis là, roi. Ouais, Madeleine. Madeleine, la paix est bien, mon bébé. Hein? Hein? La paix est bien, mon bébé. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment tu fais souvent pour être bipolaire, ma? Dis-moi aussi, la fois dernière, tu disais que tu veux la paix. J'ai plus compris. Non, je vais te dire quelque chose. Quelqu'un qui réagit selon aussi les réactions de Facebook. Moi-même, tu vois, quand il y a le faux profit qui vient, moi-même, je réagis. Moi, j'ai des problèmes. On fait aussi la guerre. Elle réagit selon le comportement de Facebook. Quand les gens sont en train d'accélérer Tata Lolo, ça les fait du mal. Donc, quand vous disiez que zéro paix, être piégé maintenant Tata Lolo, pour que Tata Lolo tombe dans la pêche, pour vraiment confirmer si Tata Lolo est déjà fatigué des clashs. Je comprends ça, son pensée. Mais Tata Lolo a déjà décidé que zéro clash avec un gars. Vous allez faire tout avec Tata Lolo. Tata Lolo insultera vous. Insultez Tata Lolo toute seule. Elle est fatiguée. Vous ne la donnez rien. Ce sont les Lolo qui la donne à manger. Ce sont les Lolo qui la met à haut. Vous avez tout fait pour qu'elle vienne nous insulter, qu'elle vienne nous intimider. Mais nous sommes toujours là. Je dis cette fois-ci là, nous sommes avec Tata Lolo. Bango, bango. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et personne, aucune Lolo ne me terrasse. Je suis là, Namtiam. J'attends que vous faites votre discours. Vous dites que pis, tu n'es plus Lolo. Je vous attends, hein. Je vous attends, je vais vous répondre que tu es rentré. Je suis parti chez ma belle-mère, tu es rentré avec la poste. Même les fleurs, ma belle-mère a enterré. Même les habits que tu as amenés, ma belle-mère a brûlé. Tout ce que tu marches, tu dis que tu as fabriqué un Nkengam, non. Fabrique ça, il y a une autre personne. Et ça, Tata Lolo, c'est ta sœur. C'est toi celle qui gagne derrière Tata Lolo. Tu ne veux pas s'inviter Tata Lolo au Canada. Tu veux pas s'inviter. Pourquoi ça crie aussi le pouce? Comment Tata Lolo? Quand tu es venu à la team, là, est-ce que Tata Lolo t'a pas payé? Tata Lolo, tu peux me dire que Tata Lolo t'a pas payé le billet? Et t'as pas payé le billet pour partir chez toi ou bien le billet de la voiture. Toujours à grignoter. Mandoc. Donc dans votre université que vous avez fait là, c'est depuis l'université pour aller demander le genre de demandation de ça. Je vous ai dit, hein, sur Facebook, il y a une seule personne que j'aime. En dehors de Tata Lolo, c'est Tata Nandé, je ne m'en pas. Le reste est au lac. Je ne suis pas dedans. Oui. C'est comme ça. Parce que j'aime vivre avec des vraies personnes. J'aime pas des fausses, des sorcières, des talibans. Vous êtes parti apprendre le talibanisme à l'école pour venir nous fatiguer qu'on a, on a fait l'école pour venir manger. Comme on dit qu'on on bloque le robinet, tu veux tuer. Que non, Tata Lolo a dit qu'elle n'est plus que c'est le Lolo. Oui, elle a le droit. À chaque fois, tu étais resté en Kenka, tu as lavé Kenka pendant 4 ans sur Facebook, tu es calé à 40 000 abonnés. Mais quand tu as commencé à te rejoindre avec nous là, les gens sont abonnés sur ta page. Tu es arrivé à 70, maintenant tu es content. Ça te fait de tout le temps que je regarde la page, je regarde ta page, ça m'énerve. Ça m'énerve jusqu'à. Tu ne sais pas. À cause de toi, mais si tu me caricatures. Non, ne dis pas ça. Virginie Annette Wanji, je comprends ce que tu dis. Elle a répondu selon. Regarde. Elle a répondu selon la pression qui est sur Facebook, sur ma star. Et je vois qu'elle avait tout le temps. Parce que comme les gens sont en train de dire que la paix, Tata Lolo reste pour elle tranquille. Tu vois, Nkengam continue à provoquer pour que Tata, pour voir si Tata va vraiment sortir. Mais elle a compris que Tata Lolo n'est. Moi, j'ai fait mon analyse personnelle. Je pense que Nkengam, le pouvoir de mettre la paix entre ses femmes, mais elle-même est d'abord bipolaire. Elle oublie qu'elle a gnac pour mettre en ordre. Oui, c'est ça. Elle a fait du sale pour mettre, pour se mettre à. Mais vraiment, les sales chiennes. Elle veut juste que, écoute bien, vous restez comme, que vous, la toile, les Camerounaises, vous restez comme les Ivoiriens. Tu as vu Aya Robert? Tu as vu c'est le garçon qui s'appelle, le jeune gars qui s'appelle Abouchou. Il est déjà dans les 1000 de vues. Voilà Emmanuel Keta, des millions de vues. Elle-même, Kenkam n'a rien. Elle a que 300 vues, 300 000 abonnés. Pourtant, c'est des anciens. Regarde Tata Lolo, à toi, tout ça là. C'est ce que nous, on essaye de faire. On essaye que nous, toutes ces femmes restent en paix. Elles vont se partager les idées, elles vont se partager les savoir-faire. Maintenant, pour être le Facebook camerounais, pour être quelque chose, nous qu'on les soutienne, on nous dit que nous sommes des haineux, nous sommes des méchants, nous sommes des gens comme ça. Mais si elles font la paix entre eux comme ça,
ça ira. Vous allez voir comment toutes les choses, ça va bien passer. Tout, je pense, ça sera comme chez les Ivoiriens. Les Ivoiriens s'insultent aujourd'hui, demain s'arrange. Et dit, chacun gère sa place. Merci, peace, peace. Au moins, chacun toi, tu as le discernement. Les haineuses. Donc, il a un problème de patron. Oui, il y a un patron de soumettre. Tata Lolo, c'est ma patronne. Tu comprends? C'est clair. Quelqu'un, elle a sa c'est la patronne de... Voilà, les haineuses qui viennent commenter. Gringa, c'est la patronne de il s'appelle quoi le gars là, le gars de Maroc là. C'est l'ancienne patronne de Nancy. Tu vois, chacun est patron de son entourage. C'est ce qu'on veut. Tu comprends? Mais le gens ne veut pas, j'ai compris. Le gens ne veut pas que ces deux personnes soient... Que Tata Lolo se mélange avec le gens parce qu'elles sont en train de séparer les deux bandits là. Regarde, tu ne peux rien dire. Et ne l'insulte pas ici. Je l'insulte pour que tu aies. C'est moi la seule personne qui peut l'insulter, que Ngoy, Mami Mbouma. Que personne. Je dis Hora. Je dis Hora. Que personne ne l'insulte. Pourquoi toujours vouloir laisser lancer les pics à Tata Lolo? Elle n'aime pas son enfant. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Quand la paix va venir, ils vont toujours rester avec les lancers de désordre. Parce que c'est une toile de désordre. Et c'est avec ces désordres qui nous accueillent. Nous sommes tous restés là à cause de ces désordres. Si elle restait, non, machin, en amour, personne ne devait pas être là. Moi, j'ai fait le sujet pour qu'elle passe la toile de chaud, non. Est-ce que je devais faire? Donc, c'est son truc. Tata Lolo aussi a son truc. Des fois, Tata Lolo fait son truc. Moi, si Tata Lolo ne les gère pas, Tata Lolo dit, oh, mamie, bon, je suis. C'est des trucs comme ça. Tata Lolo, elle me l'a dit, elle ne veut plus elle s'amener dans les histoires. Elle est fatiguée. Elle même... L'autre président il s'appelle quoi, c'est? Il a souvent parlé à Tata Lolo. Tata n'est plus partie, elle a fait. Tata, c'est quelqu'un qui, elle est d'abord shy. Elle est d'abord trop. Elle n'aime pas être trop lourde, n'importe. Elle l'aime quand elle-même, elle a besoin de quelque chose. Donc tout ce que vous parlez là, que non, elle est là, qui veut diriger. Et quelqu'un va d'ailleurs finir de diriger une gringamandiane. Qui va venir diriger Tata. On fait la paix, chacun reste à son coin. Hein? Et ils font les choses, ils se soutiennent entre eux. Boum. C'est comme ça. Vous qui aimez intimider les gens, je ne suis pas venu ici pour les deux là. Je suis venu ici là pour moi. Et je dis ce que je pense, que la paix va rester entre ces deux personnes. Ouah. Je ne pense pas comme vous. Je suis venu ici parler de mon problème. Que le lendemain arrête de m'harceler et m'harcèle. Et veut me chasser et je ne partirai pas. Et me cherche le mot et le mot là ne sortira pas dans ma bouche. Je suis avec Tata Lolo jusqu'à la mort. Quoi? C'est jusqu'à la mort que je suis avec elle. Donc arrêtez de m'harceler. Votre intellectualité là, je ne vois même pas. Parce que vous n'avez rien. Dans votre tête, il n'y a rien dedans. Vous habitez dans des HM, dans des vieilles calacas, une maison. Vous n'avez rien conçu dans votre vie. La seule chose que vous faites quand vous arrivez à la maison, c'est aller épouser les hommes en Afrique, vous venez vous mettre dans la maison. C'est ça là qui dit réussir la vie. Il n'y a plus de hommes dans le pays que tu veux venir parler aux gens que vous êtes intellectuels, puis si vous ne pouvez pas tenir un baron. Vous allez lire, comme je suis un racaille, je ne peux pas tenir un baron. Je suis le rebelle de la team de Lolomania. Et je resterai remarquable. C'est comme ça. Je parle ce que je parle. Que Bororo parle, il dit qu'il n'est pas dans le team, il n'est pas dans le team, il craque. Il craque ici. Il craque. Moi, je parle, je vais parler. Je vais parler avec toi. Mais pour le moment, je ne veux pas te voir. Parce que tu n'acceptes pas la vérité. Tu ne dis pas la vérité. Tu peux masquer pour dire que non, puisque tu as pas dit, il va comme tu te connais, comme tu voulais que non, puisque c'est exagère. Comme d'habitude, tes parents doivent être ensemble. Diviser les gens sur Facebook. Tu manques. La maman là doit rester toute seule. Elle a fait le direct. Vous avez compris ce qu'elle a fait? Non, seulement. Elle a fait le direct. Elle a dit que non. Que c'est elle la plus vieille. À 52 ans, maman, c'est pas nous qui avons fait que tu sois vieux. C'est pas nous qui avons fait que tu sors d'abord. Non, de quoi, mais non. Sur la terre, dans la vie, c'est là. Il y a les enfants de un jour qui meurent. Il y a le 30 ans qui meurt. Là où je suis là, je ne pensais pas que je pouvais arriver à cet âge. Donc, il faut accepter ton âge. Parce que c'est la gloire de Dieu. C'est pas nous qui avons fait que tu sors d'abord. Mais je t'ai dit, la reine du elle s'appelle quoi ça, la Camerounaise, ce point-là. Tata Ali n'est plus jeune que toi, à ton âge que tu dis, tu as 52 ans là, c'est faux. Tu as au moins 56 ans, tu as même pas avec Tata Ali. Ouah, tu parles, allez pleurer ailleurs. Tu parles, ouah. Ça, c'est votre problème. Le problème maintenant, c'est diviser les Camerounais, le tribalisme partout, partout. Vraiment, la générale de Lolomaya, arrête. On ne t'aimait même pas, je te demandais que tu m'aimes. Est-ce que je te demandais que tu m'aimes? Tu t'es dit que je cherchais l'amour. Mon amour c'est sur Facebook. Vous avez dit que je cherche l'amour sur Facebook. J'ai déjà quelqu'un qui m'aime. Bon. Elle est sortie l'autre jour, dit qu'elle ne veut pas la faire. Parce que c'est que quand je vais te parler. Je t'ai donné mon WhatsApp. Il faut me débloquer. Tu te parles. Je vais te conseiller. Comme une petite, je suis ta petite soeur. Je vais te conseiller. Tu n'as pas le droit de parler avec le Nyama Nyama. Tu parles. Le même chose que tu avais accusé Tata Lolo. Et Tata Lolo, tu fais parler. Tu parles avec Waris. Waris, c'est ton ami.
jusqu'à tu pars, tu fais la photo. Je t'ai vu avec mes photos, avec la pousse. Avec une fille que je marche sur elle. Je pétille, je nettoie la saleté. Aide-moi à le tester. Elle n'a rien. La pousse pleure, qu'elle n'est pas dans le fait. Elle dépense 300 euros, 500 euros. Elle en a besoin. Conteste-toi comme toi, tu avais tes milliardaires là, voilà. Fais ta pub. La pousse, vous t'amener quelle fille. Elle n'a rien, elle grenouille. Elle est pauvre comme sa tante, comme sa sœur, ou bien c'est ta tante, je ne sais pas. Tu t'es. Vraiment. Monica, tu es très aimée et tu feras pire. Oui, Black Pussy c'est qui? Black Pussy n'a rien, pas l'argent, pauvre femme. Elle est comme cela souvent sur Facebook. Ce qui m'énerve, c'est que quand j'ai lavé Black Pussy, elle m'a dit que non, il faut que je dépose Black Pussy. J'ai déposé Black Pussy. Maintenant, la même chose qu'elle repasse encore, elle m'intimide. Elle m'insulte. Lorette, elle m'insulte et que je ne suis rien. Oui, le travail que je travaille depuis 6 ans là. Moi-même, mon salaire, c'est dans ma bouche. Oui, mon salaire c'est dans ma bouche. Je vais vous laver, vous tous qui vous m'intimidez. Zéro intimidation. Je suis dans la team de Dada Lolo. Bango, 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 bango. Vous savez comment quoi? J'ai rié ma mère à cause de la team de Lolo Maya. J'ai vu comment la saleté, l'ancien frère, la femme qui je dis qu'elle est musicienne là, une casse la chico. Elle est petite comme ça, elle est taille plus petite que Valberry, elle est contente. Jusqu'à elle dit que c'est Robert. Tu es qui? La Stamaya t'a dépassé. La seule femme en Bengue qui a fait le mariage n'a pas duré une semaine, c'est elle. Elle n'a pas manqué de respect à ma star. Une sale poufiasse. Une femme qui a fait 13 ans avec un homme à la maison. Tu la veux? Non. On veut parler, papa, à nous. Quin, quin, quin. Si elle voit tata, yo, yo, yo. Je vais te dire quelque chose. Le jour que si je te vois en route, je vais te taper. Toi, Waris, là. Je vais te bastonner. C'est moi qui te dis. Tu m'as insulté plusieurs fois sur ton mur. Je vais te bastonner bien même. Tu as compris? On t'a dit que tata Lou dit qu'elle veut partir dans les fêtes. Tata Lou d'avoir leur force. Elle, elle s'amuse quand elle est seule. Quand tu vois maintenant, je suis avec ma star c'est quelqu'un qui elle est timide dehors. Elle est timide. Elle ne sait même pas faire le joker. Comme quelqu'un le fait là. Elle ne sait pas faire. C'est une personne qui elle a sa vie, sa style, qui comme ça. Jusqu'à tu parles, tu cherches la fabrication de Tata Lolo t'insulte. Le jour que Tata Lolo t'insulte, je vais pleurer le jour là. Parce que quand tu ne vois rien, un sale garçon comme ça là. Ma petite s'est lavée, insultée. Tu as pris l'argent, tu demandes encore, machin. Je vais voir les gens qui vont cotiser sur ton anniversaire. Parce que j'ai épinglé ma main sur toi. Partagez-moi le direct. Que je suis une Tinder à vie. C'est moi qui t'ai insulté.